Oui, bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans la matière gestion opérationnelle, où aujourd'hui je vous invite à préparer et à réviser votre examen de gestion pour 2024. Pour cela, nous allons voir ensemble le QCM numéro 4, dans le, la série des QCM que je vous propose en révision de vos examens, qui concerne aujourd'hui la trésorerie. Je rappelle que pour réussir un QCM, question à choix multiples qui vous sont proposés, il est utile de réviser ses cours et notamment, moi je vous propose des vidéos sur la TVA et suivre la trésorerie puisque c'est l'objet de ce QCM d'aujourd'hui. La thématique proposée c'est donc une unité commerciale qui a réalisé les opérations courantes suivantes. Avant ces opérations, le solde de la trésorerie était de 1200 euros, le montant des dettes liées à l'exploitation était de 2000 euros et les créances clients de 3500 euros. Les ventes pour 12 500 euros de marchandises, les clients ont réglé 10 000 euros par chèque, le reste est vendu à crédit. Les achats de marchandises pour 5 750 euros ont été réglés donc sur la base de 3 000 euros par chèque aux fournisseurs, le reste sera payé à 30 jours. Le règlement par chèque des charges diverses pour une valeur totale de 2 200 euros, un paiement de salaire de 6 000 euros au personnel et il restera 2 000 euros de charges sociales à payer aux organismes sociaux. Les encaissements de créances clients, clients donc 2 250, paiement d'une dette fournisseur pour 750 euros. La première question qui vous est proposée, c'est à l'issue de ces opérations, le solde de trésorerie sera de combien selon vous Moins 500 euros, plus 300 euros ou plus 1500 euros Étant entendu qu'une quatrième hypothèse vous est proposée, autre qui sera à préciser, à chaque réponse, il est important d'y indiquer le raisonnement. Donc la bonne réponse est 1500 euros. Donc, on reprend le raisonnement suivant solde de trésorerie après les opérations qui est égal au solde de départ plus encaissement moins décaissement. Solde de départ 1200 euros plus 10 000 plus 2250 moins 3000 plus 2200 plus 6000 plus 750, nous obtenons 1200 plus 12250 moins 11950, ce qui nous donne un solde de trésorerie de 1500 euros. La deuxième question qui vous est proposée, c'est à l'issue de ces opérations, le montant des dettes d'exploitation sera selon vous de 4250 euros, 6000 euros ou 7500 euros ou bien autre qui sera à préciser. Donc le raisonnement est le suivant, la dette après opération, qui est égale à la dette avant les opérations, plus augmentation de la dette, moins diminution de la dette. Donc on a une dette avant les opérations de 2000 euros, on a des augmentations de la dette de 2750, plus 2000 euros, moins une diminution de la dette qui est de 750 euros solde de trésorerie de 6000 euros à l'issue de ces opérations le montant des créances clients sera selon vous de 2500 euros 2750 euros ou 3750 euros étant entendu que le résultat est de 3750 euros avec le raisonnement créance après opération est égal aux créances avant les opérations plus augmentation des créances, moins diminution des créances. Donc nous avons les créances avant les opérations 3500 euros, auxquelles on ajoute 2500 euros et auxquelles on déduit 2250 euros, soit un solde de 3750. Donc le montant des créances clients sera de 3750 euros. Vous pouvez retrouver toutes les séances de révision 2024 en e-learning sur le site www.formateur-bts-mco-ndrc.com à la rubrique Planning, cours, gestion. N'oubliez pas que le succès à votre examen ne dépend de vous-même, nous-mêmes formateurs, nous sommes là pour accompagner votre réussite du mieux possible en vous mettant à profit nos formations, notre expérience et surtout notre passion de la transmission des connaissances. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous les appréciez, n'oubliez pas de les liker. Vous souhaitez des informations, commentez et posez vos questions. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Et surtout, si vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, N'oubliez pas de vous abonner en actionnant la cloche. Je vous dis à bientôt et surtout merci pour vos visites régulières. Au revoir.